Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série consacrée à Naples qui consiste à faire rentrer Naples dans le cercle des grandes puissances. En regardant le dashboard, on voit qu'on en est quand même assez loin parce que les Mamelouks, bon, qui seront bientôt de l'histoire ancienne, théoriquement, mais on avance relativement bien. Et le but de cette série, bien évidemment, est d'avoir le succès, pas que des pizzas. Nous étions en guerre contre nos amis de Venise. Ici, on avait posé notre flotte directement sur Rhodes. Ça les a calmés assez rapidement. Et on a une révolte qui va arriver, oui, dans 2 ans. Et on peut rien y faire. Il y a quelqu'un qui est. Ça avance de 0,3 par mois. Ah non, ça avancerait de 0,3 par mois. Ouais, bah... Bah, vous allez attendre, les gars. Vous allez attendre. Dans 2 ans. Bon, sans mon avis. Hein. Je vais sortir Rod, peut-être, pour éviter de se faire harceler à droite, à gauche. Bon, allez, je te demande rien. De toute façon, tes 25 balles, tu peux te les garder, honnêtement. Alliés en guerre, lassitude de guerre, bon. Ils ont combien en bateau? Ils ont... Ouais, ils ont des galères, ouais. Donc, le cul, ça serait vraiment limite, limite. Après, ce qu'on peut faire, c'est peut-être déposer notre armée directement dessus pour calmer le jeu. Ouais. On va prendre le transport. De toute façon, la Venise n'a... Ouais, zéro... Zéro trans... Ouais, ils ont vraiment... Ils sont au fond du trou. Donc, on va peut-être prendre le transport. Espérant que ça... Ils ne leur prennent pas l'idée saugrenue de sortir leur flotte. Parce qu'on risque d'avoir un léger problème. Va par là, toi. On va attendre de voir ce que ça va donner avec Florence maintenant, si j'envoie un diplomate. Parce que Florence fait toujours partie de la coalition. Mais pourquoi? Ouais. Une expansion agressive de... Je suis à moins 56 avec Florence? J'arrive pas à comprendre. Ouais, donc quoi que je fasse... Ça c'est l'offre. Je veux ça. Là, il y a Venise. Ok, il n'y a que Venise. C'est du rassurant. Bon, il y avait d'autres personnes qui joignaient à la fête. Et là, Florence, ouais, bien quand même, quoi que je fasse. Ah là 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 là, tout ça pour une province. Mais c'est pas une petite province, c'est pas du sable comme on pourrait en trouver en Afrique du Nord. Genre Mzab, voilà quoi. Ça avait été une province comme ça, je l'aurais pas choisi. Bon, on va faire face. La France est en train de gagner sa guerre, je pense, de toute façon... Plus 25. Plus 39. La Savoie n'est pas conquise. Il reste indépendant. Là, on peut plus revendiquer Pise. On a perdu le Caucasus Belli Conquête. Ce qui est bien. Peut-être ça va améliorer nos relations avec... avec nos amis Florentins. Ouais, bon, il veut... Tu veux une province? Tu veux quoi? Ah oui, d'accord, ok. J'ai pas compris. Oui, d'accord, oui. Oui, on est limite assez limitrophe, c'est. Ça tombe sous le sens. Bon là, ça va vraiment bientôt claquer. Ils seront 8K. Alors j'espère qu'en mettant nos troupes, ça suffira. En limite de force, on fera une troupe supplémentaire à ce niveau-là. Et on va la faire de suite. Donc on a une armée de 19 maximum, limite de front, donc ça va être un piéton encore une fois. Ça va être un fantassin. Voilà, directement ici. On sera 7 dessus, en espérant que ça calme le jeu. On s'est quand même en train de descendre. Ah, c'est vraiment la légitimité, hein. Si on l'avait pas dans vos fraises... Ah, trop de points de mine. Si on n'avait pas une légitimité aux fraises, franchement, ça irait tellement, mais tellement mieux. Enfin bon.
on ne peut pas tout avoir. Malgré la... Lui, je le paye, mais je me demande pourquoi je le paye. Alors, on a trop de points, on va développer, clairement. On va pas investir dans le mercantilisme ou autre. On va vraiment développer. Alors, le plus rentable à développer, c'est... niveau de dev, le plus faible. On va quand même développer dans nos états. Alors, ouais, bah, de toute façon, c'est quoi? Là, ça rapporte un peu plus d'argent quand même. C'est une poisson. Là, c'est quoi? C'est... 5, ouais. Bon, allez-y. Passe. Non, mais j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Bon, ça va. J'ai cliqué deux fois, mais... Ah là 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 là. Vivement les vacances. Je me disais gagner 8. Bon, pas grave. Misclic. Bon, j'en commence. Passe à 8. Voilà, on est à 10. Oui, bon, on va attendre. Là, ici. Oui, elle est vendue. On développe un peu aussi là. Voilà, ça sera déjà pas mal. On a un peu augmenté comme ça. Pas de beaucoup, mais bon. C'est toujours ça de prix. Alors, est-ce que ici ça a calmé le jeu ou pas? Stabilité positive. Autonomie accrue, d'accord. Troupes de notre partie. Ouais. C'est pas... Pas foufou quand même. Alors peut-être ça s'est paraît recalculé depuis le temps. De recruter une troupe supplémentaire. Est-ce que ça le calme ou pas? Nada. C'est quoi? C'est des montagnes. Bon, ça me fait pas trop trop peur non plus. On a un général, ils seront... je pense que ça tiendra, hein, même s'ils sont... Voilà, là peut-être ça calme le jeu un peu plus. Non, c'est... On va en mettre un de plus. Bon. On peut tenir à combien sur cette fameuse région? On peut tenir à... Bon, on va en ramener 3 et puis le calcul sera bon et puis basta. On va éviter de perdre des troupes alors qu'on peut mater la rébellion assez facilement. Karakunlu, la guerre des paysans. D'accord. Il est assez gros le Kara quand même. Le... Il est assez gros, cucu. Les Mamelouks sont assez vénères quand même dans cette partie. Ils ont quoi en vassal? Ils ont... Oui, ils ont leur vassal dans le sable. Tant mieux pour eux. Bon, eux, comment ça se passe? La paix, tu la veux? Non, tu la veux pas, mais un jour tu la voudras. Là maintenant, si on décide de faire demander la paix, est-ce que au moins Florence daigne partir? Ah, Florence est partie. Déjà bien. Ok, bon, on va faire les choses comme ça pour éviter le drame. Mayence. Mayence, c'était là. Mayence, c'était ça. Donc Mayence, hop. Meilleure interrelation. Voilà. Et qui d'autre? Toi, reviens de Florence, tu sers à rien. Voilà, toi, t'es à Mayence. Grand bien de face, Luc. Luc, on va voir. Je crois que Luc était dans la danse, mais quoi qu'on fasse, je pense qu'avec Luc, il va rien vouloir entendre. Demandez la paix, Luc y est plus. Non, Luc il n'y est plus. Bon, t'as fait du bon travail à Luc. J'ai. Nous avions qui d'autre? La Hongrie. Bon, la Hongrie, ouais. Vas-y, on va pour la Hongrie. Même si à mon avis, elle a d'autres chats à fouetter, la Hongrie. Voilà. Nos chers bateaux, d'accord. Là, ça va exploser dans 2 ans à peu près. Bon, après que ça explose. Hein. Je vois que le Portugal est... ouais, toujours notre rival. Est allié à personne. Parce qu'ils ont refusé. Et on n'est pas en trêve contre eux. Ils sont en train de perdre leur guerre. Oh, c'est gagné ou ça? Ça, c'est bien. Ça nous fait une petite expansion. Et puis, c'est... Bon, voilà, c'est... Melilla, c'est une petite province sympa. Si on peut voir
Ouais, ce taille, si on peut prendre Tanger, ouais, ça pourrait être intéressant. Ça a pris une expansion agressive, mais bon. On va en profiter, clairement, parce que là, on a, rien ne nous empêche, nous oblige à arrêter. Notre lassitude de guerre, elle est à zéro, et elle descend, même si elle devait monter. Les révoltes, on a deux doigts de les mater. Ici, bah voilà, conversion, mais quand ça sera terminé, ça sera, on n'aura plus de problème à ce niveau-là. Et nos impôts de guerre, on les a gratuits. Donc vraiment, rien nous empêche de... Voilà. Donc, on avait dit 11 sur cette belle province, mais si on déclare la guerre... Bon, on va mettre tous les œufs dans le même sac. Non, on va pas mettre tous les œufs dans le même... Si on va mettre tous les œufs dans le même sac, si on doit faire notre guerre. Par contre, pour éviter de prendre de l'attrition, je vais déployer à Oran. Bon, là, ça donne quoi? La paix, là, cette branche. Aragon, d'accord, tant mieux. Ici, ça donne quoi? La paix, tu veux entendre quelque chose? Non. Je bloque ton port, je veux dire, là, sur ton île, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui communique avec toi. Là, maintenant, ça donne quoi? Venise, la paix. Oui, ça passe, on est d'accord. La Hongrie... Oui, d'accord, ok, soit. Et Mayence... 53. Ouais, bon. Ah, par contre, ça m'ennuie légèrement. C'est vrai que j'avais pas calculé ça. Il y a de fortes chances que le Portugal perde. J'aimerais bien qu'il perde pas Melina. Parce que je peux faire une revendication dessus. Parce que le Maroc, ils sont alliés à Tunis et au Mali. Bon, après, la Castille pourrait venir. Au niveau des doctrines, on va se calmer. On va économiser nos points. Tension entre la noblesse et le clergé. État pontificaux, non merci. Quinge. Pourquoi? Pourquoi quand je décide de bouger mes troupes, il y a tout le monde? oui, je suis à combien avec le pape là? Il m'adore, ouais, mais... Il veut les îles Baléares? H? Oui, d'accord, tu peux faire une revendication dessus via la Provence. Oui, d'accord. C'est où là? Lucanie. Lucanie. C'est en Italie à tous les coups, forcément. Hein. C'est quoi comme province? C'est des montagnes, c'est des nobles. Bah en fait, mec... tu retournes à la maison. Et puis ici, ben... Vivra qui verra. Ben, ouais, qui vivra verra plutôt. Dans le bon sens, c'est mieux. Je vais attendre avant de cliquer de déposer les nobles. Je vais peut-être faire... ouais, ça va niveau argent. Je vais peut-être faire... histoire de sécuriser la chose, un mercenaire de plus. Toujours ça de gagner. Voilà. J'espère juste que ça va pas sélectionner. Allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà. T'es là. T'as un bon général sur place ou pas? T'as un bon général, dis-moi que t'as un bon général. Je vais te mettre... Dommage, les chocs subis, je pense que ça peut être intéressant de mettre lui. Il absorberait un peu mieux les chocs. Après, ça reste des montagnes. On reste quand même en position assez intéressante. Voilà, hop. Je tente comme ça. Et du coup, les nobles perdent 10 de loyauté. Ça passe. C'est parti. Et on croise les doigts. Bon. Voilà, ils font un 5, on fait un 8. On fait un 7, ils font un 5. Ils font un 3, on fait un 3. Ils font un 9... un 7, pardon. On fait un 8. Très mauvaise phase, là. Allez, 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 allez. Bon, ça va passer, je pense. Sauf si... Voilà. Bon, on a pris un peu cher. Mais au moins, on a évité le drame avec nos amis pontificaux. Et moi, pontificaux, je t'aime et tu m'aimes.
Bon voilà, les Tunisiens se sont remis. Ah, Oran va être converti, influence sur le pape que de 3. Bon. C'est vrai que j'ai pas converti la Mecque non plus, mais 333 mois. Ouais, bon. On va attendre un peu. Hein. Ici, ça donne quoi maintenant? Est-ce que le jeu, ça a calmé le jeu ou quand on est passé à une nouvelle année? Ouais, 53 partout. En fait, la Hongrie, il y a encore. J'ai vraiment l'impression que améliorer les relations, je pense que c'est au-dessus de 50 ou au-dessus d'un certain nombre, ça commence à... Ça commence à se calmer. Notre légitimité. On va la faire durer cette guerre, moi ça me pose absolument aucun problème. Ce qui m'ennuie juste, c'est que ça mobilise des troupes à un certain endroit. Mais c'est pas dramatique. Alors, le mercenaire. Si je fais comme ça, et je te dis au revoir, tu te seras bien battu, mon cher. On va attendre. Oui, bah, gratuit, comme d'habitude. On va pas s'en plaindre. Et là, ça explose dans 2 ans. Non, ça... Bon, ça explose ou ça explose pas? Comment ça se passe? Voilà, peut-être là ils sont à 50, ça a peut-être calmé le jeu. Voilà, 56, c'est bien. Demander la paix. Puisque la Hongrie est partie. La Hongrie est partie, je la vois plus. Je vois l'Autriche. Alors l'Autriche, priorité numéro 2. Améliorer les relations. Voilà, ça devrait aller assez vite. Reviens. Reviens. Qui d'autre maintenant? Qui aurait-il d'autre dans nos amis la Bavière? La Bavière, c'est ici. Améliorer les relations. Ok. Et on va en garder un pour la route. L'Autriche, ça devrait être assez rapide, puisque si c'est au-dessus de 50, ça passe. L'éclair perd 10 d'influence. Les nobles aussi, ce qui est très bien. Bon, maintenant, Rod, comment ça se passe? T'as compris que... Non, tu comprends pas, en fait. Tu comprends pas. Je sais pas ce qu'il y a sur ton île pour que t'arrives à résister aussi longtemps à un blocus sans broncher. Ouais, du poisson, ouais, bah. Il mange des poissons, effectivement. Ah, non. Loi féodale de jure, impôts gratuits. Notre capitale, c'est quoi? Ce sont des plaines. Des terres arabes, pardon. Bon, ça, clairement, non. Non. Loi féodale de jure, je vois pas trop l'intérêt. Transfert de dépendance. Non. On va les garder sous le coude. De toute façon, on a encore le temps avant que ça prenne fin. Je suis désolé, il se passe pas grand-chose dans ces épisodes. Là je viens voir mon compteur qu'on en est presque à 20 minutes et que bah on n'a pas grossi. Ah Nantes, Lemsen, ah c'était pas... Ouais c'est en train de baisser en fait. Ouais bon. Ce qu'on va faire, on va arrêter de réfléchir 30, 40 ans. Ils sont 7, 11, ok 4. Sélectionner l'armée, t'as pas de commandant, c'est parfait, hop, mets-toi là, et débarque, et comme ça, s'ils arrivent, nous les boutons. On a toujours plein de points diplômes, c'est bien, on va redévelopper, et en cliquant sur le bon bouton cette fois-ci. Où est-ce que c'est le plus rentable? Donc ici, c'est pas la peine. Le cuivre a un peu augmenté, c'est à 54, ça nous fait 10 de plus. Go. Bon, ici on est bloqué. Les vaches, non merci. Bon, après je les ai donné à Kiss Out. Non, c'est pas un ordre. Les abruzes, c'est un ordre. Trévise, oui, bah je pense que bon, ça a de la dévastation. Trévise, c'est du papier. Le papier, c'est toujours utile. Hop. Ouais, comme ça t'es à 20.
Voilà. Maintenant, à ce niveau-là... À ce niveau-là, ça devrait être relativement calmé. Voilà. Bon. À mon avis, ça va pas disparaître non plus. Mais c'est dans 3 ans maintenant. Bon, c'est pas grave. On va s'en remettre patience. On voit toujours que la Hongrie est, a peut-être repris l'objectif de guerre, mais qui va être repris par les Ottomans. Ah, ça j'ai pas regardé maintenant. Ici à ce niveau-là, il y a qui d'autre? Ça ne passerait pas. Donc l'Autriche n'est plus dans la danse, c'est bien. Le Palatinat. T'es pas dans le coin, Palatinat, normalement? Oui, c'est ta... ça c'est ta province, effectivement. Ah mince, t'as migré où, Palatinat? C'était plus ta... Où es-tu? Palatinat, le pays. Ah bah oui, oui. Oui, c'est vrai que le Palatinat commence à le Palatinat et il dispose également du haut Palatinat qui est ici. Palatinat. Je t'aime. La Bavière, ça devrait arriver rapidement. Et ce qui est bien également, c'est que ben, plus on attend, plus l'expansion agressive baisse. Ah, notre général est mort. Lequel ? Je suppose pas le roi, parce qu'autrement j'aurais été averti. Là, ici. Non, bon, ça va, c'est bien. Et je vois qu'on peut faire une troupe supplémentaire. Donc ici, notre limite est de 11. On va éviter de prendre l'attrition pour pas un rond. Et on en est à 20. Donc, ben, on va faire un piéton supplémentaire. Voilà. Ici, bon, quand ça aura décidé d'exploser, ça explosera. Je vais faire quoi? Mission, oui. Le problème, si je mets la mission en Ouja, le souci qui peut se passer, c'est que ça va augmenter leur désir de... l'agitation, et ils risquent d'être plus. Mais au moins, ça exploserait. Et après, je ne sais pas combien ils seraient. On va faire l'essai. On va faire l'essai. Ça, on va voir ce que ça donne. Voilà. Même si t'en as pour... pour combien de mois t'en avais? Oui, d'accord, ok, t'en aurais à peu près pour 30 ans. 30 ans. Oui, à peu près 30 ans. 28, 30 ans. Et là maintenant, ça... Voilà, très bien, ça va exploser. Et vous êtes 8. Oui, bah au moins vous aurez une bonne raison d'exploser. Allez, vendu. Ça, on n'en parle plus. Et après, on retire notre, notre missionnaire d'ici parce que 30 ans pour... pour convertir ça, ça va prendre une éternité. On va le payer pour rien. Et surtout que notre prochaine... Doctrine va nous donner plus 3 de puissance des missionnaires, qui n'est pas négligeable. Et en parlant de guerre qui dure, je vois vraiment que le Portugal est en train d'être ouais, rasé par le Maroc. C'est étonnant quand même de voir le Portugal qui se retrouve ouvré en deux par le Maroc. Ah, ça y est, toutes les bonnes choses ont une fin. Oui, désir de paix, mais de toute façon ça passe. Regardez, bon. La trêve arrive en 90, il faudra se calmer. Ça donne quoi en fait ici? Toujours en guerre avec l'Angleterre. Alors que le Maroc va pas en profiter. Bon, l'Autriche maintenant c'est sécurisé. J'aurais dû le faire revenir depuis longtemps. La Bavière je pense qu'également. On va faire l'essai. L'Autriche c'est bon, la Suisse et la Bohème il manque. Alors Suisse, bon. Suisse, c'est pas ça qui me fait le plus peur honnêtement. Plutôt la Bohème qui me fait un peu plus froid dans le dos. Voilà, la Bavière, tu peux rentrer. Le Palatinat, je pense qu'au prochain tour ça va être résolu. Surtout qu'on va prendre, voilà, ce qui est très bien. On va avoir un peu moins d'expansion agressive avec tout le monde. Bah voilà! C'est pas magnifique! Et en plus c'est bientôt la fin de l'épisode. Franchement, je suis fier de moi. Je suis extrêmement fier de moi. C'est une prouesse que... C'est une grande prouesse de ma part. Parce que là, du coup, l'expansion agressive, ça donne... Oui, moins 1. Bon, c'est bien. Donc oui, je vais... Alors, on va procéder par ordre. Maintenant qu'on a le droit. Ici, tu veux la paix pour...
1 Duca? Waouh. 2 Duca? Ouais, bah, file-moi 1 Duca, écoute. Hein. C'est. Je veux dire. Oui, bon, allez, on est marre. Il négocie uniquement pour leur alliance. Voilà. Voilà, ça, c'était une grosse guerre. C'est vraiment le Duca symbolique de la guerre. Vraiment. Voilà. Maintenant, ici. On va faire la paix. J'attends juste que le diplomate revienne de sa balade en Méditerranée. Et là, on aurait juste Gênes. Bon, après, il faut pas que le conseiller meure. On va améliorer de toute façon toutes les relations avec les pays outragés comme ça. Ça va être rapidement fait. Donc maintenant, 125 euros. Tu... Bah, de toute façon, t'existes plus. À la rigueur... Pour que l'Hongrie me laisse tranquille et ça fait augmenter le prestige. Voilà, voilà, ça me fait 15 de prestige. Voilà, 16 de prestige. Voilà. Ça, les Ottomans. J'aime bien les Ottomans. Je vais me prendre une expansion agressive assez sale. Oui, c'est bon. Ça devrait. Les Ottomans qui se sont fait plaisir. Mince, évidemment. Misclic. Alors, je prends Vérone, je prends Venise, je veux ta thune, t'annules tes revendications avec la planète entière, de toute façon t'existeras plus, et j'ai personne hormis Gênes dans la coalition. Et ça va nous coûter un bras à légitimer. Allez, vendu. Voilà. La trêve avec le Maroc a expiré. Et ben, voilà, donc, et on fait du vert à Venise, effectivement. C'est le cas. L'autonomie, plus 10, il serait à 3, parce que là, je suppose que, voilà, 21K à Venise, on va éviter le drame, donc voilà, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, c'est tout ce que je vous demande. Voilà, 21K, mais je pense que là, c'est dans 14 ans, on va mettre notre armée sur place, directement, on ramène nos bateaux. Et normalement, la logique Royaume de l'Ombre... Bah, la logique. L'événement Royaume de l'Ombre ne devrait pas tarder à arriver. Et là, maintenant, forcément, les nobles ne sont guère contents. Et les nobles, je n'ai pas... Ah, les céréales, ça serait vraiment utile si je leur donne ça. Les nobles, ils passent à... Ouais. Bon, quand même borderline. Mais après, c'est... province, non, c'est une trop bonne province, même si c'est des grains, c'est une trop bonne province à donner à des nobles. Franchement, ils ne le méritent pas du tout. Province assez moisie, il y a ça dans le lot ou pas? Vous savez quoi, les nobles? Vous avez ça? Ça, si je l'augmente un peu, vous allez être content? Non, je peux pas l'augmenter. Ça, si je l'augmente un peu, ça vaut combien augmenter? Ça vaut 10. Ouais, voilà, hop, 2. Là, c'est peut-être mieux. Donc que ça se recalcule. Non, c'est dérisoire, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Et nous avons quand même bien augmenté. On a dépassé la barre des 200. Voilà. Alors, on peut plus revendiquer Métidja, d'accord. On a perdu le Consus Belli contre Tunis. Très bien. Et ils se sont soulevés. Eh bah, soulevez-vous les copains. On vous a attendu. Voilà, vous faites un moins 1, on fait un 2, bon, c'est guère mieux. Ah, il faut quand même des bons jets de dés. Voilà, merci. C'était agréable. Ah. L'Écosse m'offre un prêt? Pourquoi? Ah. Oui, parce que je suis en guerre contre l'Angleterre et... Bref. Je vois qu'on est bientôt à 30 minutes, donc on verra ça au prochain épisode, et je vous dis à plus les gens.